لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. Le sujet qu'on a commencé, c'est Amr bil Maruf et Nahy an al Munkar. On a bien expliqué que Imam Hussein, quand il a quitté, il a dit je pars pour justement inviter pour le bien, donc Amr bil Maruf et interdire le mal, Nahy an al Munkar. Et on a expliqué que bien que c'est le 7e et le 8e point de Furu'ed-Din, c'est beaucoup plus important que tout. On en a l'a expliqué aussi, parce que quand vous dites à quelqu'un de prier, c'est Amr bil Maruf. Si vous dites à quelqu'un de ne pas faire ce qui est interdit, c'est le Nahy an al Munkar. Alors, Moulana a bien expliqué hier que Maruf, c'est le bien connu par la raison et permis dans l'islam, donc ce qui est halal. Et en plus, c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Munkar, c'est le contraire, c'est le mal considéré par la raison et interdit par l'islam, et qui est désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement, et éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les deux grands principes qui restent. Maintenant, comment savoir, dans le Furu'ed-Din, c'est bien, c'est obligatoire. Amr bil Maruf et Nahy an al Munkar sont obligatoires. Mais il y a des cas où, comment dirais-je, Amr bil Maruf est wajib à certains moments, et mustahab dans les autres moments. Nahy an al Munkar, la même chose, c'est wajib, obligatoire à un certain moment et mustahab dans un autre moment. Quand est-ce que ce sera fait? Eh bien, c'est très simple, parce que maruf, c'est ce qui est bien et ce qui est recommandé, ce qui est mustahab. Donc à ce moment-là, la même chose, on aura Amr bil Maruf wajib, obligatoire pour ce qui est wajib dans le Furu'ed-Din, et il sera mustahab pour ce qui est recommandé. Par contre, Munkar, c'est la même chose aussi. Ce qui est haram, l'Amr bil Maruf sera wajib pour le haram et il sera mustahab pour ce qui est makruh. Donc on dit ce qui est déconseillé. Donc il faut bien comprendre que l'importance de l'Amr bil Maruf et Nahy an Munkar, ça chapeaute tout l'islam. Et on reprend chaque fois le verset que le Moulana a repris, c'est que vous êtes la meilleure communauté parce que vous invitez au mal, vous invitez au bien, donc Amr bil Maruf, vous interdisez le mal et vous avez foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces trois conditions remplies, vous êtes la meilleure des communautés parmi les humains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est wajib, ce qui est haram, et ce qui est makruh et ce qui est mustahab. Ce qui est haram, c'est interdit, aussi bien par la raison que par l'islam. Ce qui est halal, c'est ce qui est permis dans l'islam et qui est ce qui est conseillé dans l'islam. Et justement, Amr bil Maruf et Nahy an Munkar sera wajib ou mustahab selon si c'est wajib ou si c'est mustahab. Est-ce que si on peut comprendre ça, s'il y a des questions, on pourra répondre là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et Moulana a donné l'exemple de l'éducation de l'enfant. L'islam dit que jusqu'à 7 ans, lui, il est roi, il est notre maître. Et de 7 à 14 ans, il devient votre serviteur. Et à partir de 14 ans, il devient votre conseiller. Si on respecte ça, l'éducation sera parfaite. Et Amr bil Maruf et Nahy an Munkar va devenir wajib quand il aura 14 ans. Donc dès qu'il dépasse les 14 ans, les parents ont cette obligation d'inculquer ce qui est obligatoire, expliquer ce qui est conseillé, expliquer ce qui est interdit et ce qui est makruh. Je vous remercie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.